Salut à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo, et non pas sur Cubeland, sur Cube World, quoi Cubeland, et non sur Minecraft, et oui, comme vous l'avez deviné, c'est sur l'aventure d'une maison. Et oui, nous allons commencer le premier épisode, et oui, enfin, tant parler, et tout ça, et tout ci, et tout ça. Et voilà, alors, nous allons commencer le premier épisode, comme vous l'avez vu, très simplement, enfin, tout simplement, énergiquement, sûrement, que ça va être une maison, une propriété, on pourrait appeler ça. On pourrait appeler ça une propriété. Excusez-moi, mais j'ai besoin de mettre le jour. Il me faut vraiment de mettre le jour, parce que... pour bien vous faire voir, pour bien vous expliquer les petites choses à savoir. Alors, je suis désolé, je fais ça à la main. Vous allez me dire, oui, il y a des mods, enfin, il y a des petites choses. Mais bon, ça fait énormément longtemps que j'ai pas remis la main sur Minecraft. Ça doit faire un petit presque un mois, parce qu'en plus, je n'ai pas eu l'occasion de tester la nouvelle version de Minecraft, la 1.6.2 je crois, ou je sais qu'il y en a eu entre temps, bon enfin, bref, voilà quoi. Alors, nous allons commencer déjà à finir de déblayer. Hop, 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 hop. Voilà, ça devrait être bon, il n'y aurait pas de souci. Alors, je pense qu'on va faire une maison, comme je vous dis, une propriété, on va dire en quelque sorte, parce que ça va être une maison de 10 par 10, je pense, ou quelque chose comme ça, quoi. Alors, je vais commencer du bout d'ici. Alors. Ah, d'accord, oui. 3. Ouais, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Non. 10. Hein ? 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 20, on va partir pour 20. Allez, c'est parti, on va partir pour 20. Mais on va peut-être la rallonger. On va voir ça. On va voir comment ça va donner. Parce que, en fait, je voulais rester symétrique de ce côté-là. Alors, on va en enlever 2 d'ici. On va en mettre 2 de là-bas. Voilà, nous sommes à 20. Allez, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez, on... Non, non, non. On arrête les conneries. Voilà, c'est bon. Si au pire, il faut... J'en décale de 2. Et voilà. Je décale de 2 parce qu'il faut pas que ça soit... comment dire, des chiffres impairs, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, désolé de pas savoir trop bien mes maths. Mais voilà, alors voilà, maintenant nous allons passer à ce côté-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Voilà une assez maison que vous allez voir qui va être extraordinairement grande. Parce que ça va vraiment être une propriété privée, on va dire, en quelque sorte. Enfin, une propriété. Moi, je dis propriété privée, mais c'est une propriété. Alors, désolé, je regarde en même temps mon chrono, parce que la vidéo, je sais pas combien de temps va durer. Mais je vais essayer de faire, dès le début, comment dire, que ça soit assez explicatif. Là, je vous ai fait voir que moi, je comptais. Après, avis à ceux qui ont, bien sûr, les commandes. Moi j'aime bien, c'est vrai qu'on va dire que je suis un peu un bête ou quoi que ce soit, mais bon, de toute façon, je me dois de le faire par rapport à déjà à la série. Et même moi j'aime bien, je trouve ça bien, c'est vrai que c'est bien d'avoir tout, je vous avoue que voilà quoi, pas accueillir le bois, pas accueillir ce sang, enfin, aller chercher le bois, aller faire ceci, aller faire cela, c'est vrai que déjà tout avoir en main, c'est superbe, c'est franchement, c'est, il n'y a pas mieux à dire. Mais après... de là à faire avec les commandes, moi je trouve ça que c'est... j'aime pas trop. C'est pas trop mon truc, même si des fois je m'en sers, mais pas tout le temps. C'est mon truc personnel. Mais voilà. Alors, on va mettre ce bois là. Parce qu'après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va recouvrir... Il va avoir certaines salles, il va... Et ouais, je suis en train de repenser. Mais il va avoir certaines salles, et si on les fait super grandes déjà, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que ça devrait aller. On pourrait voir ce que ça donne.
Ouais, ça, je pense que ça va être pas mal. Non, allez, vous savez quoi? On part sur 30, allez, c'est parti. On avait dit 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29. Allez, on est pour 29, 29, 29 et... 29 et allez, en 30. Voilà. Et là, on était pareil pour 20. Ah oui, 30, ça risquerait d'aller là-bas. Bon, de toute façon, on va rester sur... Là, on va rester sur du 20. Je pense qu'on va rester sur du 20. Je vais faire un petit test. On va voir ça tout de suite. Bon, je pense que ça devrait aller. Ouais, je pense que ça devrait aller. De toute façon, au pire des cas, on va la faire ensemble, comment dire, la série. Mais au pire des cas, si vraiment vous vous aimez pas, ce qui peut arriver probablement, mais si comment dire, vous avez un petit problème, ce que vous faites, vous essayez de d'élargir la chose, soit en longueur, soit en largeur. Parce que là, moi, je l'ai fait en longueur. Et comment dire, je sais pas ce que ça va vraiment rendre. C'est la première fois que je vais faire ça. Je vais faire une maison aussi grande que ça. Auparavant, ça ne m'est même pas arrivé. Même dans mes plus profonds rêves. Mais comment dire, il y a une fois à tout. Et voilà quoi. Alors on va le tester ensemble. De toute façon, on va voir ce que ça donne après. Parce que là, on peut pas s'imaginer par rapport à, en fait, qu'il n'y a pas les fondations, il n'y a rien qui a été fait. Mais attendez, je suis en train de repenser. Pourquoi je mets ça en fait? Je suis en train de m'embêter avec ça. C'est de la stone qu'il faut. C'est après, en fait, c'est comment dire? La maison, c'est une chose. Et ce que j'appelle la propriété, en fait, c'est où tout autour, je vais mettre de l'herbe. C'est, oui, enfin de l'herbe, des feuillages. Vous allez comprendre très rapidement. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit test. On va dire, alors, on va la laisser de 1, 2, 3, 4 et allez, 5. Comme ça, il y a de quoi vraiment bien marcher. J'espère juste que ça va pas gêner l'autre construction qui avait déjà fait auparavant. Que j'avais déjà fait auparavant, plutôt. Alors, toc toc, ici pareil, on va compter 5, 1, 2, 3, 4, 5, non ça fait ici alors. Voilà. Voilà, et hop, après ce qui se passe, c'est que vous faites, moi j'ai mis au plus bas, hein, c'est au choix. Alors après vous pouvez mettre des barrières, rien ne vous empêche de mettre des barrières. Mais moi je préfère les feuillages, c'est vrai que j'avais trouvé ça beau. Mais après, vous allez voir qu'on peut mettre des barrières et ça rend tout aussi bien le tout. Et vous allez me dire pourquoi je mets un rondin de bois. Bah, ce qui se passe, c'est que si vous mettez, alors on va faire le test. Je sais pas si ça va fonctionner direct, mais voilà. Vous voyez, normalement, ça peut s'enlever. Alors peut-être qu'avec la mise à jour, ça a été changé, mais en tout cas, ça peut s'enlever. Mais sinon, bon, là, ça s'enlèvera pas parce que je viens de le mettre. J'essaierai de faire une vidéo un jour de comment dire, faire un peu le chimiste, vous faire voir un peu les différentes choses. Bon, ça se fera après, peut-être après la série. Je vous promets rien, mais peut-être après la série, je pense faire quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que ça peut toujours servir de vous dire ouais, pourquoi il a pas fait comme ci, pourquoi il a pas fait comme ça. Là au moins vous allez avoir toutes les explications. Je n'ai pas envie de parler en ce moment, mais c'est pas grave. Et oui, comme ça, vous allez avoir toutes les explications nécessaires pour pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ce lit, pourquoi cela. Alors, voilà, nous sommes à 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Voilà. Oui, bravo, je sais compter, je sais. Ça sert à rien de me le dire et de le penser. Voilà. Voilà, on a déjà fait un peu l'environnement qui va constituer... La petite maisonnette. Oh là là, elle va être juste. Bon là, moi j'enlève comme ça. De toute façon, je vous expliquerai après des petites astuces pour planquer vos choses aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est pile. Punaise. Oh, je vais jouer au loto. Je sais pas pourquoi, mais on dit toujours cette connerie-là. Perso, j'ai fait ça, j'ai joué au loto.
Actuellement, je suis toujours pas riche, hein. J'y arrive pas, hein. Mais bon. C'est juste que moi, j'ai envie de dire, hein. Ça n'appartient qu'à moi. Peut-être quelqu'un d'autre aura une chatte de cocu. Pardonnez-moi pour le petit chat de cocu, mais c'est réel. Alors. Ok, d'accord. C'est pas grave. Toc, toc, toc. J'espère que vous arrivez bien à suivre ce que je veux vous dire en même temps, parce que c'est vrai que là, c'est pas dans toutes les vidéos que je parle souvent, mais quand je parle, hein, comme vous avez dû le constater. Et voilà. Alors, on va finir avec tout ça, là, le débroussaillage. Ouais, par contre, essayez de trouver, si vous le faites, si vous prenez pas la map tout de suite. Bon, de toute façon, la map ne sera pas tout de suite en téléchargement. Bien sûr, il y a l'autre map, pour ceux qui ont vu l'aventure d'une base. Et c'est le même concept, mais là, avec une maison. Et un peu plus détaillé, parce que c'est vrai que c'est toujours efficace. Après bon, c'est de toute façon c'est pas un tuto, c'est un peu un guide, on va dire un guide tuto comme vous le sentez, mais c'est pour vous aider à réaliser une maison telle que moi je la ferai de mon côté. Et ceci n'appartient qu'à moi, bien sûr. Alors vous faites comme vous voulez vos maisons, mais moi je les fais comme ceci et vous les faites comme vous voulez. Voilà, le mot est passé, c'est nickelous. Alors toc 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 toc. Bon, bref, on va pas casser des arbres toute la journée, hein. Je suis pas bûcheron perso, je suis pas là pour bûcheronner. Oui, je sais, ça ne veut rien dire du tout, mais bon, c'était pour le fait de le dire. Voilà, nickel, je savais que j'allais tomber, mais c'est pas grave. Voilà, alors, hop, nous allons retomber dans la nuit. Désolé d'utiliser, comment dire, tous mes items, mais je l'ai mis spécialement juste ici, parce que par rapport à... comment dire, à mettre le jour, parce que c'est vrai que c'est très désagréable de devoir faire dans la nuit. Vous devez mettre des torches un peu partout, mais si vous voulez que je laisse la nuit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je laisserai la nuit, mais bon, ça sera un peu plus galère les constructions, mais c'est pas grave, je suis prêt à relever même le défi, ça me dérange pas du tout. Alors voilà, là on va faire tout le tour au pire. Je le ferai dans un comment dire, je le ferai hors caméra, je pense, peut-être ça. De faire de tout, d'en faire deux, de faire les deux étages et tout ça. Parce que là, c'est vrai que il y a énormément de boulot. Là, je vous fais, en fait, c'est pour vous faire voir comment ça va rendre. Mais après, bien sûr qu'il ne faut pas laisser que de l'herbe comme ça. Après, il faut avoir un peu de l'imagination, de la créativité. Et vous allez voir que le jardin va comment dire, va se rendre bien propre, bien nickel, bien magnifique. Et après, on lui fera même une ouverture très propre et très magnifique. Voilà. Alors, on en était à ici. Ah, c'est vrai que j'avais mis du bois, mais ce n'était pas bon. Et oui, moi j'aime bien que ça soit fait proprement, parce que sinon ça ne sert strictement à rien de faire quelque chose moche. Enfin, moche ou comme vous le sentez. Au moins, quand c'est fait dans la règle qui a été imaginée, c'est complètement meilleur. Alors, je regarde mon petit chrono, ça va, nous sommes à peu près à 13 minutes, normalement 13, 13, 12 ou 14, enfin on n'est pas très loin des 13. Et voilà. Alors, toc 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 toc. Bon, de toute façon, ce que je vais essayer de faire, c'est que trouver l'entrée. Ça, j'essaierai de le faire hors caméra. Parce que c'est vrai que ça peut être très très chiant de voir quelqu'un mettre du bois. C'est peut-être extraordinaire pour certains, mais pas pour tout le monde. Même moi personnellement qui en mets, c'est pas si extraordinaire que ça. Voilà quoi. Bon bah de toute façon, je vais laisser ça comme ceci. Alors, toc 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 toc. Allez, on fait une petite dernière. Voilà. Pour l'instant, j'espère que vous avez tous compris à peu près la moitié des bases. Ça, par contre, la base, je vais vous le faire voir. Comment dire, il n'y a rien de si spécial non plus. Hein, mais bon, de toute façon, c'est rapide. C'est pas comme si c'était qu'il y en avait pour 3 heures comme le terrain. Là, c'est vraiment extrêmement rapide. Et rapide et facile, j'ai envie de dire. Après, si vous n'y arrivez pas, personnellement, je peux pas vous aider plus que ça là. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à me poser des questions aussi dans les commentaires, hein, si vous voulez que je rajoute quelque chose, si vous avez
Qu'est-ce que vous avez une idée de salle que je peux essayer de mettre un emplacement dedans? Enfin, n'hésitez surtout pas à proposer vos idées dedans, à me faire un petit croquis, on va dire, un petit dessin même avec Paint, il n'y a pas de souci. Vous essayez de vous imaginer bah, la maison comme ça. Vous imaginez à peu près la maison comme ça. Et vous vous dites, bah, cette salle précisément. On va prendre, je sais pas, la A2.114, enfin, etc., etc. Voilà, regardez, on va faire comme ceci, par exemple. Cette partie-là, ça va être la salle de bain, ça va être ceci. Enfin, c'est une idée, bref. C'est, si vous êtes intéressé, vous faites comme ça, vous imaginez un carré de 30, comment dire? Alors, ici, ça va faire un carré de 30, 30 par 20. N'oubliez surtout pas, c'est 20 de carré, 20 de long, 30 de longueur et 20 de largeur. Voilà, j'espère ne pas avoir fait de faute à ce niveau-là. Et comment dire, on va la mettre ici, l'entrée, ou ici, oui, ici. Bon, de toute façon, il y aura pas. Oh, non, on va la mettre ici. Allez, c'est parti. On va la mettre ici. Alors, c'était 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, 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 j'ai pas su compter. Dis-moi que j'ai pas su compter parce que là, si c'est que 19, il y a un petit souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21. Oh là 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 là, il y a un petit court-circuit. Bon, on va dire que c'est 20. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a vraiment un petit problème dans le comptage. Alors, ce n'est point grave parce que ça va être remplacé très rapidement. Voilà. Alors ça ferait ici. Ah là 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 là, c'est foutu de. Bon, vous savez quoi? On va faire la manière la plus forte. Tant pis, c'est pas grave. On va galérer. Mais au moins, on va galérer pour quelque chose de bien. Alors, ça va être ici maintenant. Un petit. Une petite. Ah mais attends, je suis en train de repenser. Ah oui, mais non. C'est bon. Alors, toc toc. Tac 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 tac. Oui, désolé de. C'est pour vous bien vous faire voir. Et bah ça au pire, de toute façon, après le réglage du terrain, on pourra s'arranger de le faire autrement parce que de toute façon, il va falloir de la place. Il va quand même falloir un peu de place pour beaucoup de choses. Alors, on va juste mettre un peu de comme ça. Voilà, pour bien rappeler l'endroit ici. Alors j'espère que vous entendez pas trop mon ventilo aussi parce qu'il fait énormément chaud dans ma chambre et franchement c'est plus supportable d'avoir chaud à force. Alors toc 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 toc. Voilà, toc. Voilà, nickel. Alors vous savez quoi, on va essayer de faire c'est au moins le tour. Je sais, je dis des choses et j'en fais des autres. Mais je voulais essayer au moins de faire même ne serait-ce que deux pour voir à peu près ce que ça va donner. Et pour vous aussi que vous voyez comment ça va se passer. Alors j'espère que vous aimez bien mon mode d'explication. C'est vrai qu'il est un peu. Il est un peu bizarre celui-là. Mais c'est un peu galère parce que comme vous me suis trompé dans mes erreurs de calcul. Je sais, vous allez me dire c'est pas de votre faute, mais là je me suis trompé un peu de calcul, mais bon, vous inquiétez pas, de toute façon ça reste pareil. N'oubliez pas, c'est de 20, 20 de 20 de largeur et 30 de longueur. Surtout à ne pas oublier. Alors, tac tac tac. Voilà. Ça fait à peu près ça. Alors, de toute façon, la maison on la voit comme ça. Ne vous inquiétez pas qu'après je pense peut-être qu'on va remettre 30 par 30. Je suis presque certain
de faire 30 par 30. Mais c'est juste une approximative. Une approximative, enfin quelque chose d'approximatif, parce que c'est qui tout double en fait. C'est très chiant. On ne sait pas vraiment si ça peut être ça, si ça ne peut pas être ça. C'est pour ça. Alors ça on en met là. C'est quoi que je voulais? C'était des barrières, des barrières, des barrières. Et je voulais les autres barrières très spéciales, enfin les espèces de petites barrières. Ce n'est point ici. Alors on va aller dans le bois. Dans le bois, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ah, c'est peut-être ici. Non, pas ici. Non. Ici, voilà. Voilà, vous allez comprendre de toute façon. L'entrée est très rapide. Alors, ici, ça va faire l'entrée. Ça va faire comme ça. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour faire de l'entrée? Ça toque. On va mettre du un peu plus rapu. Ça ferait comme ça, ouais. Non. Je préfère celui-là. Au moins il est plus plus visible, on va dire. Et en plus, c'est ça correspond bien. Alors, vous faites ça, 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 ça. Toc. Hop, par contre, il faut penser à faire une petite ouverture assez propre, assez belle. Alors, toc. Bon, de toute façon, on enlèvera après, hein. C'est pas comme si c'était perdu. Voilà. Ça fait toc. Soit on le met... Ouais, je pense qu'on va le mettre de la même façon. Voilà, vous essayez que tout soit bien recouvert pour pas éveiller les soupçons des voisins, imaginez-vous. Alors, toc toc. Soit c'est ça, soit c'est les doubles dalles. Mais je suis en train de penser que si c'est les doubles dalles, ça risque d'être très bizarre parce que... Ouais. Non, ça va, ça peut rester propre. Non, c'était celle-là. Voilà, je pense qu'on va rester sur ça. Voilà. Et en plus, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, d'inventer de la créativité, c'est ça. C'est de vous imaginer, il y a deux chemins. Alors, n'essayez pas de mettre des doubles dalles parce que ça va vraiment rendre pourri. C'est vraiment le terme exact, hein. C'est que ça va rendre vraiment pourri. Alors ça, je le ferai après, pareil, en hors caméra. Mais vous allez voir, je vais vous faire voir que si on met par exemple des doubles dalles, ça fait énormément pourri. Alors ça, je l'ai testé, retesté, retesté. Je ne sais pas vraiment comment faire. Après, vous pouvez mettre de la laine pour confondre un peu la chose. Ou vous pouvez laisser comme ça parce que ça reste vraiment... ça reste confondu dans le décor. Mais voilà. Alors, vous voyez que ça fait nettement plus beau, tout simple. Je vais pas vous dire que ça fait extrêmement beau, c'est fou, c'est trop magnifique. Non, ça reste un strict minimum beau. Après, de toute façon, vous allez me dire, mais il n'y a pas de place pour la piscine. Mais si, vous inquiétez pas, elle va être à peu près ici. Elle va être vraiment là, ici. Il faut pas vous inquiéter, on va la faire vraiment assez grande. Mais là, c'était juste en fait pour voir le point de nécessité pour comment dire, pour faire la maison. Là, c'est pour ça que je vous dis, de toute façon, on va devoir le faire, de la refaire. De toute façon, il va falloir que je détruise un peu ça. Ça, je le ferai hors caméra, parce que c'est vrai que ça peut être très désagréable à regarder aussi, ça. Et voilà. Regardez, vous allez voir que même en faisant cette petite chose-là... Alors, tac. Ah oui, ici, c'est vrai que ça a été un peu plus différent, mais bon, de toute façon... comment dire, on va ordonner les routes très proprement et hop hop hop, voilà voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Je vais pas vous dire que la maison est déjà finie lorsqu'elle n'est pas finie, elle vient juste de commencer. Voilà, voilà, vous avez la maison au complet, enfin au complet avec un peu d'idée, on va dire. Avec un peu d'idées, ça après, de toute façon, ce que vous pouvez faire, on va mettre ça, non, c'était ça comme ça, là après, voilà,
Ce que vous pouvez faire pour l'instant, c'est, même pour que ça vous donne à peu près une idée, c'est de... En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est, comme la piscine va être assez grande, enfin, il y a toujours des petits problèmes avec tout ça, bah là, ce que vous allez faire, il va falloir, en fait, l'allonger. C'est très bête. Vous allez me dire, mais comment ça, l'allonger? Et bah, il va falloir agrandir pour mettre la piscine. Mais de toute façon, ce n'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas l'épisode non plus pour. Mais je vais vous faire le voir, je vais vous le faire voir dans un autre épisode et vous allez voir que c'est pas plus mal. Je vais pas vous dire que ça tape, mais bon, faut penser aussi qu'une maison comme ça, vous allez pas pouvoir la faire n'importe où, partout, dans tout. Si vous êtes dans des serveurs, croyez que vous allez pas faire des maisons comme ça. Hein. C'est vraiment des maisons réduites. Là, moi, je vous fais une assez grande maison. Parce que je vais pas faire une petite maison pour juste le délire de faire la série. Je veux essayer de faire quelque chose de très propre, très magnifique. Et autant de mettre le paquet. Alors, voilà. Voilà, vous avez au moins déjà plus ou moins la petite route. Voilà. Et même encore après ce que vous pouvez essayer de faire. Bon, après ça, c'est si vous voulez vraiment approfondir la chose... laine blanche, ouais, nickel, voilà. Non, c'est la laine blanche. Ok, si tu le dis. Alors, c'est comme ça. Voilà, est-ce que vous pouvez faire... Voilà, plutôt comme ça. J'allais en mettre deux par deux, mais ne mettez pas deux par deux, ça reste un petit peu moche. Puis faut essayer de rester dans la logique des choses, on va dire. Parce que regardez, hop. C'est vrai que ça y ressemble très rapidement à une route, mais c'est pour faire un semblant de route, vous imaginez à mettre votre route ici. Et bien voilà, je pense que l'épisode va pas tarder à s'arrêter, enfin on va pas tarder à arrêter l'épisode, enfin je vais pas tarder à arrêter l'épisode, voilà, et recommencer un autre épisode à vous préparer. Alors je suis en train de regarder, mais en fait ouais, c'est là, ça fait une ligne blanche en fait, en quelque sorte. Mais au moins, ce qui fait, c'est que ça rend un peu plus beau déjà. Voilà, ça rend déjà un peu plus beau. Bon, après, de toute façon, c'est comme je vous dis à chaque fois, hein, ça n'engage que moi. Alors ça fait que peut-être qu'une personne ne va pas aimer, une autre personne va aimer, une autre personne ne va pas aimer, enfin, etc., etc. Ouais, non. Voilà. Voilà pour ça. Voilà, vous avez vu que en plus ça reste très agréable. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire des tests. Si vous préférez avec 3, vous allez mettre 3 feuillages, etc. Si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas les 3 feuillages. Mais c'est conseillé. Voilà pourquoi je voulais que tout à l'heure on voit bien, c'est que là vous avez vu que c'est bien renfermé. Après bon, vous pouvez mettre, mais généralement les gens sont en basse, parce que bon, c'est vrai que c'est... Minecraft a beaucoup évolué, c'est pour ça que il faut mettre un peu plus bas pour moins laguer, mais après c'est tout dépend des personnes. Voilà, alors on a fait un peu la base aujourd'hui, on a fait la base, on a fait le contour, un peu pour cacher la propriété. On a même une vache qui nous a rejoint. Et je pense avoir tout fait pour l'instant sur cet épisode. Je vais pas tout vous dévoiler en un coup parce que ça sert strictement à rien. C'est un peu le but de la série aussi, de vous garder un peu des... Oups là, désolé. De garder des petits moments bien propres, bien magnifiques. Alors, on finit par faire tout ça, voilà. Voilà, je vais m'attaquer de toute façon hors caméra. Déjà, je vais m'attaquer au montage. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, une vidéo, ça ne monte pas en 3-2 mouvements, comme moi je le pensais au début. Et franchement, c'est vraiment du boulot.
Et c'est pour ça que je respecte tout le monde, tous ceux qui font du boulot, enfin qui font leurs vidéos, qui montent super bien leurs vidéos, parce que moi franchement, c'est vrai qu'ils sont pas superbes non plus mes montages, mais pour l'instant c'est pas encore vraiment le cas de faire des gros montages. Là je vais essayer de déjà pour faire 30 de long, 30 de longueur et 20 de largeur, à ne surtout pas oublier, pas faire de bêtises comme j'ai fait. Et voilà. Alors si je peux, j'essaierai de vous construire un plan. J'essaierai de faire un plan en imaginant la maison. Et après de là, si vous avez des petites idées, mais de toute façon, si vous avez des petites idées, vous savez que c'est 30 par 20. Alors c'est très simple. Après, vous faites des carrés, vous avez des feuilles à carreaux, et vous pouvez faire même par des petits carreaux, photographier, enfin scanner, enfin comme vous le sentez. Vous me le donnez soit sur Twitter, soit sur la page Facebook, soit en message privé par rapport à YouTube, ou sinon sur Skype, c'est Ezio Scaletti. Voilà. Alors sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. J'espère que cette nouvelle aventure qui commence va vous donner envie et je sais pas quoi, et de l'amour et tout ce que vous voulez. Et comment dire? Mais n'oubliez pas que l'aventure ne fait que commencer. Et que je pense qu'on va bien s'amuser sur les prochains épisodes. Voilà. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Salut à tous. Bye bye. Ciao.